Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore sur notre émission Ainsi soit-il. C'est une émission qui va rendre votre semaine agréable. Et je crois par la grâce de Dieu que cette semaine, le Seigneur va vous visiter avec de grandes délivrances. D'ailleurs, je vous annonce la bonne nouvelle, que cette semaine, quelqu'un qui me regarde va expérimenter une grande délivrance qui va changer quelque chose dans sa vie. Je vais vous parler rapidement dans Psaume chapitre 18, verset 51. Le Psaume 18, verset 51 qui dit ceci. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et grande délivrance ici, c'est au pluriel. Je reprends. Il accorde, Dieu accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son nom, à David et à sa postérité pour toujours. Je suis là pour annoncer à quelqu'un que comme Dieu a donné de grandes délivrances, c'est-à-dire plusieurs fois, Dieu lui a accordé de grandes délivrances. Et de plusieurs manières, Dieu lui a accordé de grandes délivrances. Cette semaine, la même chose va se passer avec toi. Dieu ne fait pas exception de personne. Le Dieu de David, c'est mon Dieu. Le Dieu de David, c'est ton Dieu. Toi qui es dans le besoin de délivrance. Et je veux d'abord rapidement dire à quelqu'un, ce que nous voyons la plupart du temps partout, c'est des manifestations de délivrance. Il peut y avoir des manifestations de délivrance sans délivrance. Ce qui prouve qu'il y a eu délivrance, c'est l'effet qui accompagne ces manifestations. Le changement produit dans la vie du délivré. Cette semaine-là, il n'y aura pas seulement des manifestations. Même là où tu m'écoutes, la puissance de Dieu qui libère peut te toucher. Et dans ta vie, quelque chose qui va apporter un changement va se passer dans ta vie. Alors, qu'est-ce que nous attendons par grande délivrance? Une grande délivrance, c'est une délivrance dont les effets sont visibles, palpables dans la vie du délivré. Une grande délivrance, c'est une délivrance qui apporte un changement à l'état ou à la situation dans laquelle se trouve la personne qui a été délivrée. Si nous allons dans Marc chapitre 5, en dehors de ce passage, on a vu quelqu'un là, un fou de Gadaré, que Jésus a visité un jour. Et j'ai dit souvent aux gens que c'est à cause de cette seule personne que Jésus a traversé la mer. Parce que quand Jésus a fini de délivrer cette personne, il est retourné encore. Il n'a plus fait autre chose. Pourquoi? Parce que le temps de la délivrance a sonné pour cet homme. Les gens ont cherché à l'aider. Ils ont essayé de l'aider. Ils n'ont pas pu. Mais une heure a sonné pour cet homme devant Dieu. Et d'ailleurs, le lundi prochain, je vais vous parler du temps marqué dans la vie de l'homme. Prenez rendez-vous pour ce moment-là, ça va être exceptionnel, je crois que tu seras béni. Et je crois, le temps marqué pour la délivrance de quelqu'un, c'est cette semaine. Ou comme pour ce fou-là, Jésus a traversé la mer pour lui seul, pour le délivrer. Et ce que je veux vous dire, quand Jésus a délivré cet homme, la Bible dit que les gens sont venus pour venir voir. Et quand ils l'ont vu dans un état qui est différent de l'état dans lequel il était avant sa délivrance. C'est ça la délivrance. C'est l'effet, ce qui s'est passé dans la vie de la personne après les manifestations. Alors cette semaine, la délivrance qui va changer ton état, qui va changer ta situation, la délivrance qui va te faire sortir des soucis de l'anxiété, ça va s'opérer dans ta vie. Je suis là pour t'annoncer cette bonne nouvelle, que le temps marqué, le temps est arrivé pour Dieu, pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. La grande délivrance, également, c'est une délivrance qui va conduire votre vie dans la sainteté. Il y a des péchés qu'on appelle péchés dominateurs. Ça te domine. Tu fais tout. Tu veux, tu es conscient de ça. Tu veux être libéré de ça. Mais tu n'arrives pas malgré tes efforts. Lorsque la délivrance va s'opérer, tu vas voir que comme on dénoue un nœud, tu vas sortir de ce péché dominateur. Cette semaine, le Seigneur va accorder une grâce exceptionnelle à quelqu'un qui va te délivrer de ce péché dominateur, ce péché contre qui tu es en train de lutter et que tu n'arrives pas à te libérer malgré tes efforts. Ça va s'opérer sans tes efforts au nom de Jésus Nazareth. Alors, une grande délivrance également, c'est une délivrance qui assure à quelqu'un la libération de la main d'un ennemi plus fort. Il y a des gens qui sont plus forts que toi.
Et sans l'intervention de Dieu, tu ne peux pas échapper de leurs mains. Sans l'intervention de Dieu, ils t'ont déjà supplanté. Cette semaine, cet ennemi plus fort que toi, cette situation plus forte que toi, cet état plus fort que toi, au nom de Jésus de Nazareth, celui qui est venu pour libérer les captifs, Dieu va t'accorder une grande délivrance et tu vas t'en sortir au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Frère, une grande délivrance également, c'est une délivrance d'une situation désespérée. Tu es désespéré, tu as tout fait, il n'y a pas d'issue, tu tournes à rond. Même les gens ont essayé de t'aider, ils n'ont pas pu. Tu es fatigué peut-être par ça. Au nom de Jésus de Nazareth, il dit, je suis venu pour libérer les captifs. J'ai cette situation qui te rend désespéré, Jésus va te libérer de ça. Il interviendra pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Peut-être que ce n'est pas dans ta propre vie, c'est dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton enfant, peut-être au bureau. Et tu vis une situation qui déjà t'a déjà fatigué, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où mettre la tête. Je dis, cette semaine, le Seigneur va t'accorder une grande délivrance. David l'a reçu plusieurs fois. Toi aussi, tu recevras cette semaine une délivrance qui va te libérer de toute situation désespérée. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est une semaine de visitation. Dieu veut te délivrer. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu veut te délivrer. Où que tu sois, même dans ton sommeil, la délivrance va s'opérer. Tu vas te réveiller dans un autre état. Dans ton service, la délivrance va s'opérer. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, vous pouvez nous contacter. Si vous avez besoin de délivrance, vous savez, vous êtes trouvé quelque part, vous pouvez nous contacter sur le 69 53 55 55 pour recevoir de l'aide ou bien pour expérimenter cette délivrance-là. Nous sommes là pour vous. Cette semaine, notre prière vous accompagne. Dieu sera avec vous, derrière vous. Il sera votre appui, il sera votre soutien. Tout ce que ta main va toucher cette semaine sera béni au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Paul Aguet, votre serviteur. Amen. Population de Cotonou, de Porto-Novo et environ. Vous êtes jeune ou adulte et vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime de pouvoirs maléfiques? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, 6 à Cotonou, à Sikekodi, dans la 2e rue, à gauche en allant à Maro Militaire, ou à Porto-Novo, à Wenmen-Djagidi, dans la rue de Touchou. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis. Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.